Cela fait désormais 25 jours qu'Eyem Nour est bloqué au Maroc à cause de Vincent Miclet. Privée du passeport de son fils, la chroniqueuse de TPMP People ne peut pas revenir en France, d'autant plus que son ex-compagnon l'accuse d'avoir enlevé leur fils Evin sans son consentement. Des propos totalement faux puisqu'Eyem a expliqué que leur fils était, d'un commun accord, scolarisé au Maroc depuis la rentrée, mais qu'elle en avait la garde par décision de justice. Ainsi le 14 novembre dernier, c'était au tour de l'ancienne candidate de télé-réalité d'aller le récupérer, comme chaque quinzaine. Mais l'homme d'affaires de 57 ans aurait cette fois refusé prétextant qu'elle avait kidnappé son enfant et l'insultant de sorcière. Après le report de l'audience du 7 décembre 2022 où elle attendait de pouvoir enfin récupérer le passeport de son fils pour rentrer en France, Eyem doit encore patienter 2 semaines car les avocats de son ex ne se sont tout bonnement pas présentés. Une attente et une situation qui sont interminables pour le petit garçon dont on a pu entendre quelques mots via le compte Instagram d'Eyem. À bout de nerfs, la jeune maman a en effet décidé de partager les mots d'Eyem qui semble sur le point de pleurer.